Nous sommes au groupe scolaire Banco 2 dans la commune de Yopougon. Des élèves de la coopérative de cet établissement scolaire s'initient à l'aviculture, au jardinage et à la fabrication de savons liquides. Nous avons fait le jardinage pour nous initier au métier de l'agriculture. Nous avons décidé de faire le savon liquide pour que notre environnement soit propre et sain. J'ai décidé de faire partie de la coopérative parce que j'aimais le poulet. Le poulailler est une activité de la coopérative et qui nourrit son homme. Ce projet avicole, initiative de la direction de la vie scolaire, vise à former des citoyens complets qui pourront s'insérer dans les tissus sociaux après leur formation. La mission de l'école, c'est l'instruction, mais aussi l'éducation et la socialisation. Et quand vous avez accompli cette mission, l'enfant qui sort est un enfant qui est complet parce qu'il a tout reçu. Autant il a reçu des connaissances, il a reçu des savoir-faire, des savoir-être, et il peut s'insérer harmonieusement dans la société. Au terme de la phase expérimentale, les responsables du groupe scolaire se disent satisfaits des résultats obtenus. Il y a le club de salubrité, il y a un club qui s'occupe uniquement des fleurs. Et un autre club que j'ai voulu créer personnellement, c'est le savon liquide. Il y a des grandes dames même qui ne savent pas comment ça s'est fait. Ce projet vise à permettre aux élèves de réaliser à travers la coopérative scolaire des activités génératrices de revenus, mais surtout de se frotter entre autres à l'aviculture et au jardinage pour assurer leur avenir.